Alors bonjour, je m'appelle Chloé Bourset, je vais vous raconter le récit de mon voyage en Sardaigne. Alors nous sommes partis jeudi soir, on a fait 7 heures de route, on s'est arrêté dans un hôtel. Puis après on est allé dans un bateau, de Gênes on est allé dans un bateau, puis après on est parti en Sardaigne. On est arrivé, on est allé dans un hôtel, on s'est baigné, puis après on est allé dans une plage où la mer était bleue. Mais vraiment très bleue. On voyait nos pieds, on s'amusait beaucoup. Puis après on est reparti avec la voiture. On s'arrêtait au bord d'une plage, où à côté il y avait une très très belle voiture. Alors mon père, mon frère et moi on était sortis, et ma mère elle ouvre la porte, et là elle claque la porte sur la belle voiture. Donc on a fait un constat, et ma mère elle a mesuré le coude sur la voiture, et c'était 1 cm de coup, c'était vraiment pas beaucoup. Donc l'Italien il a rigolé, il a dit, mais pourquoi on a fait un constat et tout, donc après on a plus fait de constat. Donc après on est parti. La deuxième semaine des vacances, après on est parti dans un autre hôtel. Et on a visité... Ah oui, on a visité un parc d'animaux où il y avait beaucoup d'animaux étranges, des animaux bizarres, enfin, je ne sais même plus comment ils s'appellent. Et après on est rentré en bateau en France et voilà.